C'est un objet de plus en plus courant, le drone, aussi bien utilisé par des professionnels que des amateurs. Bon, Marcel. Ouais, il est pas il parti est super pour assurer bien parti. Là. Oh là là, le drone, c'est le drone. C'est le drone. Incroyable. Dans la guerre que la France mène contre les terroristes au Sahel, ils sont désormais indispensables. Les drones Reaper, des engins de guerre ultra sophistiqués, fabriqués aux États-Unis. Tout récemment, en France, la police a interpellé le propriétaire du drone qui a réalisé cette vidéo. Un survol de la défense osé, jusque sous la Grande Arche. Et comment on peut arriver à intercepter ces appareils? Cette caméra volante s'acquiert pour 600 euros. Les ventes explosent. 1000 drones vendus par semaine aux États-Unis, 50 en France. En fait, il y a des dispositifs de neutralisation qui existent et c'est des drôles, j'entends. La conceptualisation du drone remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. Aéronef télécommandé sans pilote à bord, avec possibilité d'embarquer une charge utile, lui permettant de réaliser des missions diverses et variées. Surveillance, renseignement, cartographie, transport ou encore vidéo. Prisé d'abord par les militaires, l'usage des drones s'est rapidement démocratisé. L'utilisation des drones dans le domaine civil reste très diverse. Reconnaissance des frontières, évaluation des dommages, notamment pour les catastrophes naturelles, telles que les feux de forêt ou les tempêtes, ainsi que la surveillance du trafic routier. L'essor considérable des drones a été bénéfique dans de nombreux domaines, permettant à leurs utilisateurs d'obtenir des prises de vue impressionnantes. Les drones peuvent disposer de différents capteurs ou caméras selon leur domaine d'application. En effet, les caméras thermiques peuvent permettre la surveillance de départs de feu, les caméras infrarouges, la recherche de personnes portées disparues par exemple. Avec le groupe, on s'est rendu à Lyon. On voulait en savoir un peu plus sur la législation qui se cachait derrière l'utilisation des drones. On est en relation avec la préfecture de Lyon pour savoir si on pourrait s'adresser pour la législation, mais personne ne peut nous. J'ai besoin de quelques questions, sur la législation concernant les. On est rapidement rentré en contact avec un certain Marc Sogno qui travaille à la préfecture du Rhône dans la direction de la sécurité et de la protection civile. Il a accepté de nous rencontrer dans son bureau et nous a longuement expliqué la législation très complexe des drones. On est à la préfecture pour aller poser des questions à Monsieur Sogno. L'entretien a duré une quarantaine de minutes et Monsieur Sogno n'a pas voulu que l'on utilise ses propos. Alors voici un bref résumé. Avant 2012, il n'existait pas de réglementation pour les professionnels. Les particuliers pouvaient faire voler leur engin seulement dans leur propriété privée. Le vol des drones n'était donc pas inclus dans les textes de loi civile. En mars 2012, c'est la naissance du tout premier décret qui délivre l'autorisation aux professionnels de faire voler leur engin, en respectant certaines conditions. Premièrement, le vol ne peut s'effectuer que de jour. Deuxièmement, le drone doit être dans un périmètre de 30 mètres autour du pilote et ne doit pas voler au-delà de 150 mètres de hauteur. De plus, certaines zones sont strictement interdites au vol de quelconque type de drone. L'utilisateur doit aussi remplir un formulaire en préfecture et doit avoir certaines qualifications requises pour être apte à faire voler l'engin en toute sécurité. Ce formulaire lui permettra de voler pendant 5 ans sans besoin de refaire de demande à chaque vol. Si leur utilisation prend une ampleur importante dans le domaine civil, il reste néanmoins une machine de guerre.
Durant près de 30 ans, les drones font l'objet de nombreux essais, sans être utilisés pour des missions opérationnelles par la France, en raison d'une certaine réticence et l'appréhension de perdre inutilement des moyens financiers. Lors de la chute du bloc soviétique, l'acquisition du renseignement devint indispensable. Ce contexte modifie les besoins de l'armée et donc met à l'honneur l'emploi des drones. Les guerres du Golfe et du Kosovo confirment également la puissance de l'emploi du renseignement. D'origine aérienne ainsi que spatiale, les renseignements par image revêtent d'une importance stratégique et l'emploi des drones au cœur des conflits n'a depuis cessé de grandir. La mission des drones pendant ces guerres était essentiellement limitée à la reconnaissance et à la désignation d'objectifs au profit de l'armée de terre. Permanente et en temps réel, cette fouille aérienne est utile pour surveiller les abords des bases en rendant les reconnaissances plus faciles et les frappes plus sûres. Plus récemment, le 25 septembre 2015, l'armée syrienne a utilisé pour la première fois des drones fournis par la Russie. Des opérations précédentes avaient été menées notamment dans la banlieue de Damas, ainsi qu'au nord et à l'est de la Syrie contre des extrémistes. Les drones armés présentent donc de nombreux avantages. Ils sont détachés géographiquement du sol et évitent d'exposer les soldats au risque. Et c'est cette capacité à agir instantanément qui a permis d'éliminer en mai 2010 Saïd El-Mesri, le numéro 3 d'Al-Qaïda. Les drones, faisant partie intégrante des conflits modernes depuis déjà quelques années, ont plus récemment su séduire le grand public. Cet engagement ne cesse de croître. En effet, de nombreux projets n'en sont qu'au stade de prototype, mais prévoient un bel avenir aux petits engins volants.